Gilles Trignat Résidence, promoteur immobilier dans l'agglomération grenobloise depuis 40 ans, vous présente Si on sortait. Salut à tous et bienvenue dans Si on sortait. Comme chaque année, bien sûr, on fête le 14 juillet. Alors samedi, pour l'occasion, Grenoble se pare de bleu, de blanc et de rouge pour une célébration citoyenne et festive de la fête nationale. À 18h, défilé des militaires et légionnaires place Verdun et surtout à 22h30, feu d'artifice au parc Paul Mistral. C'est comme si à toi qui es arménien, je disais que tu étais turc. Samedi à 21h, ne manquez pas la retransmission du spectacle d'Éric Blanc et de Gabriel Derbidjan, mon frère blanc, sur Télé Grenoble. La comédie a été enregistrée cette année au Festival d'humour Au Rire, etc. au Diapason. Le duo d'humoristes livre leur point de vue sur notre société moderne, entre intimité, coups d'éclat, coups de gueule et confidences. Depuis 1992, chaque été à Voiron, les arts de la rue prennent place en centre-ville et dans les quartiers périphériques. L'occasion de découvrir des artistes venus de France et d'Europe. Au menu, acrobatie, danse, mélodie et tour de magie. Madame, explication. Émotion de rue, c'est un festival d'art de la rue. C'est la 27e édition qui a lieu cette année à Voiron. Et nous accueillons dans l'espace public des compagnies professionnelles qui cette année sont aussi étoffées par quelques propositions amateurs avec des groupes circassiens. Il y a forcément beaucoup de rencontres et de partages. C'est un festival qui s'adresse à tous. Alors, on peut avoir des spectacles qui sont plus en direction d'un jeune public. On a sur le festival des spectacles qui sont plus pour les adultes ou disons à partir de 8-10 ans. Cette année, on a des bénévoles qui ont eu envie de se lancer dans le financement participatif qui nous a permis en fait d'améliorer des petits points sur le festival, d'avoir un peu plus de confort, avoir un peu plus de technique par exemple. Mais ça, c'est venu directement de personnes qui s'intéressent au spectacle vivant et notamment à Émotion de rue. Ça m'enchante. Ça nous fait revivre une âme d'enfant. Voilà. Ah bah c'est super. Puis vraiment les bénévoles sont hyper impliqués et heureusement. C'est vraiment extraordinaire. Ça permet de passer une bonne partie de l'été comme ça avec des choses sympas pour rien, juste s'amuser. Gilles Trignat Résidence, promoteur immobilier dans l'agglomération grenobloise depuis 40 ans, vous a présenté Si on sortait.